Elle est toujours aussi chiante à chaque fois, et pourtant je peux pas m'empêcher. Elle a trop de punch, cette petite musique. Comme toutes les musiques du jeu, répétitives, mais... Ah, il y a quelque chose, hein, on se dit, j'y retournerai bien. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, sur ce troisième live sur God End, qui s'amuse, qui est bien amusant finalement en fait, après avoir fait hier le premier chapitre, clôturé avec brio, en bateauant un monsieur qui devait peser près de la tonne, mais qui malgré tout arrivait à voler. Ça, c'est des choses qu'on voit dans The God End. Voilà, et donc on va faire le chapitre 2 où nous attend une jeune fille court vêtue. J'espère que ça va bien. Bonsoir Spider Troll, bonsoir DVD, et bonsoir Amazing Aka, et bonsoir Véronica. Allez, on est parti. Pouk. Ok pour charger, ok pour charger. À 4K à beau, à Manu à poil. J'ai dit que si j'avais 4000 abonnés, je ferais le stream à poil. J'ai pas dit qu'on me verrait. Voilà, il y aura la caméra qui sera vide, et puis moi je jouerai à côté de l'écran. J'ai le droit de faire ça. Hein. Techniquement, je reste dans ce que j'ai dit. Donc voilà, allez, on va faire continuer. Hier, j'ai racheté plein de... d'accord, on voit que j'ai clôturé le truc. Normalement, nouvel univers, du coup. Hier, j'ai racheté plein de petites techniques. Désolé, Véro. Hier, j'ai racheté plein de petites techniques pour faire de mon... De mon bourrin, le dieu des connures. Oh, Jean. Ah, qui s'appelle Jean. Don't you're back me. I just about died because of you. But the God Hand saved you, didn't it? It's strong. Qu'est-ce que c'est que cette pause? You should try it for a while. Let's axe it. Nice one. You wanna keep it, huh? Mais on a vu qu'il avait perdu son bras lors d'un accident, lors d'une agression par des punks à Crète. Et du coup, on sait pas comment il a eu son God Hand, son nouveau bras qui lui donne donc tous ses pouvoirs. Mais il a le choix, il peut vraiment s'en séparer s'il veut. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Il est complètement en train de se faire mener à la baguette par cette nana, quoi. Allez, tous à poil hors caméra. Si vous me regardez à poil, je pense que ça changera pas grand-chose. Je ne le verrai pas. Alors, ça se trouve, c'est déjà le cas pour certains. Si ça se trouve, il y a des gens qui font des choses bizarres en regardant. Allez, on y va. Bim. Et on est dans un univers déjà bien bien chaud. C'est le cas de le dire. Oh, mais c'est quoi qui est derrière moi? Oh, des nanas. Oh, regardez ce petit déhanché. Allez, bah, je suis désolé. Oh. J'ai juste touché un petit peu. Ouah ! Mais j'ai juste touché un petit peu, elle s'est envolée. Ah ! Ah non, mais alors, attends, c'est quoi ça là-bas? Il y a une catapulte ou quoi? Boop, hop, 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 Voilà, je crois qu'elle... Ah non. Alors elle, je lui mets une petite pichenette et c'est bon, elle est morte. Ah, hop là! Oh, non, non, non! Ah là, la petite chenette, je l'ai dit. Il est mort, eu, et ils sont... Oh, une clé! Ils sont morts tous les deux. Bon. On va récupérer ça. Ah, qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh non! Je pensais avoir reculé plus que ça et ne pas me prendre le coup. C'est pas grave. Allez, bim! Alors en plus, il allait me donner un coup vachement puissant là. Oh non! Oh non! Oh non! Eh, il est vert celui-là, qu'est-ce qu'il arrive? Et il a des cheveux rouges, c'est Hadès. C'est Hadès dans Hercule de Disney. Ouais! Bon, bah écoute, voilà, hop, God End. Voilà, hein. Et on va te refaire une petite coupe là. À l'extincteur. Ah oui, donc c'est vrai, j'ai un nouveau combo maintenant. Eh, il est pas mal, hein. Et... Ouah, putain. Par contre, ouah. Oh non, je suis mort. Oh, mais non, mais il est trop difficile, ce jeu. J'ai un mode normal, s'il vous plaît, quoi. On ne fera pas une femme, Manu. Si elles veulent ta virginité, tu peux.
Ouais. On a le droit de frapper que les filles qui en veulent à ta virginité. Ah, pour moi, il est encore temps, alors. Bon. Hop là. Oh. Hop, elle rigole en plus. Ah ouais, non, mais elle, j'ai le droit de la frapper, attends. Elle me frappe, et après, elle... elle se fout de ma tronche, quoi, tiens. En plus, elle se balade en slip, là. Ouah, mais... Ah ouais, mais... Bim. Oh. C'est quoi, ce que je viens de lui faire? Ah oui, c'est vrai. Oh. C'est un nouveau mouvement que j'ai... C'est un nouveau mouvement que j'ai eu hier. Je m'en souvenais plus. Ah, pas mal. Par contre, je peux pas trop l'enchaîner, ce mouvement. Mais il est cool. Et puis, en plus, je crois qu'il est puissant. Regardez, hop. Ah si, je peux l'enchaîner un peu, hein. Et après, hop, écrasement. Oh. Oh, alors ça, je vais en abuser. Ah, il s'est pas transformé, cette fois. Ouais, mais bon... En fait, c'est aléatoire, hein. Des fois, il y a des... Il y a des gars qui se transforment au même endroit. Souvent, d'ailleurs, au même endroit. Et des fois, pas du tout. Et je sais pas ce qui... Ce qui fait que certains se transforment, mais d'autres pas. Coucou les coupinous, salut à toi, Julia. Comment est-ce que tu vas? Bon, allez, on y va. On va frapper d'autres filles en snip. Oh, punaise. Tiens, je vais prendre ça. Ah oui, non, mais ça, c'est puissant, ça, c'est bien. Je les ai tués tous les deux, mais alors, à quel prix? Ah bah voilà, je vous avais parlé de fiance libre, bah voilà, ils sont là. Oh la fouet! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui m'a frappé? Est-ce que j'ai un truc qui peut, coup divin, toucher plein de gens? Bon, je sais pas, on va faire ça. Oh oui! Oh, oh parfait! Et je crois que c'est la catapulte qui m'a touché ou quoi? Ah oui, c'est lui. Oh bah lui, il a vraiment une belle crête. Belle crête, monsieur. Hop. Allez, 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 allez. Ok, ça c'est bon. Oh non! Oh non! Oh mais non, mais ça c'est ce que j'aime pas. Allez, bim! 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 Oh putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, j'en ai tué une en même temps. Oh, écrasement divin! Ah oui, puis comme ça je peux continuer à l'écraser. Ah non, ça n'a pas marché! Qu'est-ce qu'il fait lui derrière? What? Eh mais le truc il continue à se battre alors que... Eh je vais mourir hein. Eh non mais je vais mourir à cause du gros qui est derrière. Oh il s'est explosé. Oh il l'a tué. Oh il a tué le mec. Ah mais par contre j'ai plus de vie. Alors, c'est quoi déjà le coup? Ah c'est ça, ah c'est bien. Y'a pas une petite... Oh! Oh punaise! Et regardez, il est tout rouge, il n'y a que la crête. Et, oh, oh non! Oh non! Oh mais non! Mais juste un vieil enchaînement tout moisi quoi! Je suis dégoûté. Manu, ma foi. Ça va, je suis sorti du séminaire à 20h. Puis j'ai fait de la cuisine. C'est bien la cuisine. Moi aussi, je fais de la cuisine. Je cuisine les gens. Bah. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague, Spider? Je me plaignais des graphismes de Arcane Asylum. Plus jamais maintenant! Mais quoi, il est pas moche ce jeu, il est juste vieux. Tu peux pas te foutre la gueule d'un jeu comme ça, qui certainement était pas si moche que ça hein, pour l'époque. Hop. En plus, t'as dit que tu te foutais la gueule de quel jeu? Arkham Asylum, il est très joli Arkham Asylum. Hop, hop, hop. Allez, pouc. Ah, ça c'est génial. Alors là, ma crainte, c'est qu'il y en a un qui se transforme. Parce qu'en fait, ils m'entourent tous, ils sont tous autour de moi, là. Et quand j'affrontais des démons, je préférais être tout seul. Ah, la petite balayette. Oh, ça s'est bien passé. Et elle m'a filé sa clé, très bien. Je crois qu'il faut que je tue les filles pour... c'est pas du machisme du tout, hein. C'est le jeu qui a décidé. Je crois qu'il faut tuer les femmes, bim, pour en fait obtenir des clés qui doivent probablement me servir en fin de niveau. Bon, lui, il s'est pas transformé, ça m'aurait arrangé qu'il se transforme cette fois-ci. Parce que lui, il a l'avantage d'être tout seul, quoi. Ah, merde! Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que j'explose tout le monde avec le seul tonneau, là. Genre, je les appâte tous, même lui, là. Ça va mal se passer là ce que je suis en train de faire.
Ah, ça va pas bien se passer là. Ouh là là, je vois plus ce qu'il y a derrière moi. Et là, au dernier moment... J'avais dit que ça se passerait mal. J'avais dit que ça se passerait mal, vous voyez. Oh punaise. Oh, wow, mais... Eh mais non, mais lui, c'est pas possible. Le mec, il me fait un... Il se sert de son corps, de son gros corps pour m'attaquer. La bomba. Bim. Vas-y, donne-moi des fruits, s'il te plaît. Faut qu'elle arrête, par contre, l'autre avec son fouet, là. Tiens. Écrasement. C'est ce que tu mérites. Oh non. Voilà, hop, voilà, ça se passe comme ça. Alors, il va... Pff, putain, mais j'ai pas encore... J'ai pas beaucoup de vie, encore une fois, quoi. Ça va mal se passer, là, encore une fois, je le sais. Par contre, le gros, je crois qu'il est mort. Allez. Oh. Oh, t'as passé. Nickel. Ah, je peux peut-être le tuer, lui. Allez, allez, bim. Qu'est-ce que... Oh, non. Ah, me tue pas. Oh, non. Oh. Quoi. Mais pourquoi est-ce que... Ah, oui, d'accord, c'était son dernier cri avant de mourir, son petit chant du cygne. Allez. Hop, hop, hop. Ah, mais regardez, en fait, il aiguise sa crête. Quand il est pas content, il aiguise sa crête. Il sort son petit aiguiseur. Oh. Il m'a tué. Oh, mais il est trop difficile, ce jeu. Salut à toi, Kazen. Ah, mais il est vraiment très, très difficile, ce jeu. Mais par contre, j'avais une bonne technique, là, de tous les rassembler. Parce qu'en fait, le gros, là, avec sa technique du « je fais la scie humaine », il tue tous ses potes. Et ça, c'est pas mal de se servir de... De servir de lui. Alors, je vais essayer de faire la même chose, c'est-à-dire, cette fois-ci, je vais directement le chercher. Voilà. Bonjour, copain. Il est où? Il est par là, je crois. Enfin, on l'a entendu, je crois. C'est lui qui a fait cling. Hop, hop. Non, par contre, alors, le lock est un peu relou, parce qu'il est très incertain. Et des fois, il se déclenche alors que même on n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là? Ah, mais il est même pas là, en fait j'ai attiré tout le monde. Mais c'est hyper dangereux ce que j'ai fait. Bon, oh punaise, mais c'est qu'il y a du monde. Et par contre, si je joue bien mon jeu là, et il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de moyenner. Hein. Ah, non. Mais j'étais coincé dans le décor, putain. Oh, il m'a donné un bouquin. Qui est réservé aux... case noire... Coup divin, allez. Qui est réservé aux jeunes personnes. Et évidemment, il s'est transformé, voilà. Mais sinon, c'est pas drôle. Mais non, mais c'est pas lui qu'il faut que tu frappes, mais... Oh, tant pis, on va le terminer. Je l'ai tué, lui, derrière. Ah, je l'ai pas tué, il aurait pu me donner un... Il aurait pu me donner un fruit... Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Et en plus, ils ont un nouveau pattern, ceux-là, là, je les connais pas. Et il va falloir que j'apprenne, en fait, à bah, justement les connaître, ces petits-là. Wow, il m'a tué. Qu'est-ce que j'ai fait, là, comme coup? Et j'ai été tué par... Un punk à crête qui m'a balancé sa crête visiblement. En fait, les punks dans ce jeu, c'est des Pokémon, quoi. Ils ont des pouvoirs de se projeter des parties de leur corps. Enfin, c'est bizarre. Bon. Vas-y, défonce leur maman. Bah, leur maman, je sais pas. Bon, on va... Ma technique, en vrai, me semble pas si pourrave que ça. Hein. C'est juste qu'ils m'ont pas tous suivi. Et du coup, ça... Ça fait un accro à mon plan. Voilà, je fais comme ça, je cours bien, vite. En plus, il a une façon de courir admirable, c'est trop beau. Oui. Ça, j'aime pas quand il fait... Oh. J'aime pas quand il fait les... Ah, voilà, ils me suivent tous. Allez, c'est pas mal, là. Oh, allez, allez. Bim. Oh, putain, mais non. Mais c'est pas du tout visé, ce gars-là. Je visais ceux qui étaient derrière, en groupe, là. Il y avait un troupeau derrière, c'était mieux.
On va faire l'onde de choc. Et ça en fait un de tué quoi. Ah non, il est pas mort, mais presque. Ok. Oh non. Mais c'est une blague. Mais en fait, pourquoi? Enfin, c'était déjà pas suffisamment dur sans ces démons là qui sortent de leur corps. Regardez, il me reste plus de vie. Ah, je vais pouvoir lui faire un tabassage. Et je vais réussir à le tuer, lui, ouais, mais... Là, il va me falloir de la chance si je récupère un fruit ou un truc comme ça. Ça pourrait le faire, mais... Je pense pas, hein. Mélodie du menton gagné. Et ça, c'est un coup, hein. Je sais pas, peut-être qu'il frappe à l'autre le menton. Un petit peu comme Amélie Rosmo. Elle frappe avec son menton. Waouh. Eh. Ouais, voilà. Et pour l'instant, ça va, hein, malgré mon peu de vie. Oh non! Oh, mais c'est le fouet! Mais oui, mais évidemment, on a une portée de fou avec son fouet. Allez, c'est formidable. Quoi? 4-5 fois que je crève, là? Eh, mais il faut que je réessaye la technique du tonneau. La technique du tonneau, elle est bien. The technique of tonneau, on dit d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends maintenant? Non, je vais pas le prendre maintenant. Je vais attirer tout ce petit monde. Et lui, il me suit pas, là, malheureusement. C'est lui qui m'intéresse, parce que lui, il est intéressant, le petit gros, là. Regardez, mais ils peuvent se tuer les uns les autres, hein. Je suis sûr que ça peut marcher. Alors, regardez, il me suit. En fait, les punks et les gros, là... Ah ouais, ils re-rentrent chez lui, quand même. Il revient vers sa catapulte. Le fait qu'il est doublement dangereux en fait. Putain. Et voilà, ça servait à rien. C'est vraiment très 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 chaud ce jeu. Un petit peu à cause du gameplay qui est un petit peu. Qui est un petit peu rigide en fait, quand même, malgré tout. Et certainement vieillissant aujourd'hui. J'ai peut-être plus de mal parce que, bah, aujourd'hui on est plus assisté que ça de nos jeux. Oh, parfait! Mais malgré tout, ouais, c'est vrai que... Enfin, ils ont peut-être un petit peu abusé, quoi. Je veux dire, j'ai déjà du mal à tuer tous les gars qui sont autour de moi. Parce que, bah, il y a des techniques à faire. Je veux dire, quand il y en a un qui se met en garde, bah, voilà, il faut savoir briser sa garde et tout. C'est pas un jeu que tu joues en appuyant sur tous les coups, quoi. Oh, ça c'est parfait ce que je viens de faire. Ah, ça c'est cool. Ah là, j'en ai tué deux. Et mais en plus de ça, tu dois te manger les gars qui... l'espèce de démon là qui sort de leur corps. Et les punks qui arrivent à te frapper avec leur crête. Qu'ils envoient dans la stratosphère tranquille. Voilà, vous avez vu ça là, il s'est protégé. Bah ça, j'avais utilisé le bon coup à ce moment-là. Voilà, et bah j'aurais pu faire quelque chose. Et allez, je me... Ah putain. Il est où? Allez. Là, je mise tout sur ce coup. Mais en fait, ma... Comment ça s'appelle? Ma technique, là, ne dure pas très longtemps, hein. Ma technique du Godin, là. Allez, je pense que je peux l'utiliser sans même utiliser mon pouvoir. Je crois que c'est pas très... prudent de faire ça, hein. Ah là, bien, parfait. Allez. Wow! Hé! Hey, j'ai fait une double esquive là, magnifique! Waouh! Allez, je pense que je peux le tuer. Maintenant, voilà, parfait! Yes! Ok, il m'a laissé quoi? Des pièces, des sous. C'est bien. Je vais peut-être affronter les autres. Avant d'affronter le gros, parce que des bisous à toi Kazen, parce qu'il est vraiment plus compliqué que ça. C'est quoi le jeu, Manu? Oh, salut Darius.
Comment est-ce que ça va, toi? C'est longtemps qu'on t'a pas vu. C'est quoi le jeu, Manu? C'est God End. Un jeu qui est vieux, mais qui est bien. Et qui est bizarre aussi, quand même. Bon, on va essayer de l'attirer, lui. J'ai pas envie d'avoir sa copine sur le dos. Avec son fouet, là. Ah non, elle a pas de fouet, elle. Elle m'aguiche, regardez, elle est contre son mur. Elle me fait des propositions bizarres. Allez, poc. Voilà, tiens. Allez. Ah, ça, c'est la meilleure technique du monde, par contre. Quand je réussis à la faire, je suis heureux. Oh, une cerise. Ça, c'est bien. Bon, c'est toujours ça de gagner, ça me remet un petit peu de vie. Voilà. Elle m'a pas vu arriver. Vous inquiétez pas, elle a pas eu mal. Oh putain, ça cuit ça. Y'a quoi là? Ah, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'avais jamais vu. Allez. Eh, ça se passe pas trop mal. Là, ce qui pourrait se passer de mal, c'est que justement, un des mecs se retransforme en démon. Voilà. Eh, ça se relie. Oh ouais, il va même pas se relever. Il sait même pas relever. Ah, ça, c'est trop bien. On va forcer. Ouais, on va regarder dans les caisses. Putain, j'ai peu de chance. Il n'y a pas eu de fruits, rien du tout, quoi. Bon, bah, je crois qu'il me reste que le tout gras, là-bas. Mais avant de l'affronter, je vais regarder si, bah, l'intérieur de ces caisses, par exemple. Parfait. Ah, ça, c'est parfait. Et on va lui faire un... La bomba. Bim. Ah merde, j'ai pas pu le... Je voulais lui faire un écrasement. Allez, piqûre. C'est bon, il va y passer. Wouah. Ça se passe mieux. Et ben voilà. Pourvu que... Ouais, j'allais dire pourvu que lui ne se transforme pas en un truc chiant. Point de justice gagné. On va regarder un petit peu les techniques. Pardon, on va regarder un petit peu les techniques que je viens d'obtenir. Alors j'ai eu quoi? Balayage arrière. Oh punaise! 16 points de justice! Ah, il est un peu lent par contre, hein. Et ça, faut peut-être le mettre en fin de combo, ça peut être pas mal. Revers de la main. Balayage arrière, ouais, ok. Voilà, celui-là, il fait 12. Est-ce que je peux pas mettre le point de justice? Est-ce que le point de justice... En plus, le point de justice peut le charger. Il a l'air d'avoir une portée un peu plus longue que les autres. Donc ça peut être sympa. 10, 12... est-ce que je peux faire éventuellement... C'est... Celui que j'avais avant. C'est un coup de pied. Il était très puissant. Je peux le mettre à la place. Voilà, c'est celui-là. Et puis, oh, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Coup de la... Ah, ouais, non, coup de la muge, j'ai déjà. Ah, c'est balay... Non, c'est. Non, ah, mais coup de pied haut. Ah, mais non, coup de pied haut, j'ai déjà signé. Et j'ai quoi qui est pas signé, Ah, bah, c'est celui-là alors. Se bat, expert, c'est ça. Qui dit lance ennemi, mais franchement, j'ai rien vu. On va essayer ça. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemble mon nouveau combo. Hop, hop, hop. Ouais, il est un peu lent, mais quand l'ennemi est sonné et tout, ça devrait le faire. D'ailleurs, le dernier coup, je pense que j'aurai le temps de le porter quand même. Ok, très bien. Eh ben, j'ai deux clés. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la catapulte, des fois que... Non. Pas du tout. J'y vais aussi, les devoirs m'appellent. Bon courage à toi, Julie. À bientôt. Des bisous. Allez, zone suivante. La porte est ouverte. Ouais, d'accord. Donc, c'est à ça que servaient les clés. Please. Please come to. Ah non, come in. Je sais pas si j'ai envie. On va y aller parce que je crois que la catapulte c'est là-bas, hein, qu'on la chope. Ouah, ouah, ouah. Oh putain, niveau inférieur. Oh non! Ah putain, super! J'ai de nouveau le God End. Voilà, la bonne chose, c'est que là, si le truc venait à me tuer, bah c'est pas bien grave. Ouais, je peux pas lui donner le dernier coup en fait. C'est pas bien grave si s'il arrive à me tuer.
Et regardez ce que je peux faire là, je peux... Bon, niveau inférieur, je peux prendre le tonneau et lui lancer à la gueule. Mais ça va me tuer aussi. Ouais, voilà. Là, c'est ce que je disais, regardez. Hop, je continue, je suis mort. Et je reviens à... Au début de la seconde zone, là, que j'ai débloqué. Et je pensais qu'en fait, en avançant, ça serait mieux, parce que là, j'ai gagné pas mal de techniques intéressantes. Et en fait, non, le jeu reste toujours si difficile, quoi. Allez, petit écrasement des bubbles. Voilà, on tape la dame qui marche comme une parépathéticienne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai toujours du mal avec ce mot. C'est bon. Qui me donne... Oh, c'est cool, ça. Une petite cerise. Bon, c'est bon. Mon attaque est beaucoup à base d'écrasement, hein, mais... Faut reconnaître qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors, on va prendre ça. Et je vais le lancer au premier gars qui, que je verrai. Genre, lui, là-bas. Enfin, il y en a un d'autres. Là, il n'y en a pas un autre. Oh, punaise. Il soutène ma gueule. Wop, wop, wop. Ouais, le dernier coup, il va pas. Vous avez vu? Je manque de portée à chaque fois. Ah, pas mal, ce petit coup de l'équilibre là. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ça là-bas? Ah, il y a moyen de se faire des petits fruits là, ou des sous. Regardez. Ce jeune homme qui est en train de faire des choses à des jeunes filles toutes innocentes. Hop, je peux le mettre dans le feu. Ouais, mais t'es pas mort, toi. Le mec, il est revenu dans mon dos. Non, je... Tadam. Ouais. Avec son masque du luth, là, un peu. Parfait. C'est bon. Et j'ai réussi à les tuer les deux et à obtenir une clé en bonus. Pas mal. Pas mal du tout. Je pense que les filles vont m'attendre et pourront me donner à manger au cas où j'en ai besoin. Ouais, donc cette partie-là se passe bien. Et pourquoi elle se passe bien? Bah parce que il n'y a pas de démon qui est sorti du corps d'un des gars. C'est quand même... Putain, encore une cerise. C'est quand même bien plus simple. On n'a pas un ennemi en plus à affronter. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est une fille avec un fouet. Oh! Arrête de m'aguicher! Bim, 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 bim! Ah, l'autre clé. Très bien. Bon, bah voilà. Où sont passées les jeunes personnes qui étaient là? Qui, normalement, me donnent une récompense quand je les sauve. Oh, il a laissé sa masse ici, lui. Parfait. Ah ouais, je me disais bien qu'il était bien plus simple quand il est remonté tout à l'heure. Il avait laissé sa masse en bas. C'est le coup, hein, un petit coup sur la tête et voilà. Voilà. À voir ailleurs si j'y suis. Oh, elle est rouge de colère. Ah, il me donne une clé lui aussi, nickel. Nice, yeah. J'ai l'impression que les femmes ne peuvent pas se transformer en démons. Contrairement à la vraie vie. Ah, elles sont là. Alors il y en a une qui me donne des oranges. Et l'autre des pièces. Bah, je crois que c'est fini. Oh bah j'aurais marché sur cette... J'ai roulé sur cette seconde zone même. Bon, bah écoutez, je vais accepter son cadeau, elle. Voilà, comme ça, ça me donne du soin en max. Je pense que manger... Ah, si! Si je mange, même si j'en ai pas besoin, ça me donne des sous. Du gold. Donc c'est très bien de le faire. Hop, je passe à la... Non, qu'est-ce que tu fais? Eh, c'est quoi déjà cette... Qu'est-ce qu'il fait? Ça a l'air bien pourri comme coup. La porte est ouverte. Voilà, nickel.
Ah bah ouais, déjà, sauvegarder. Ah, on va sauvegarder. On sait jamais. Des fois qu'on tombe sur quelques bugs de la console. Garde terminé. Bien. Et on fait continuer. Bon, on est parti. Qu'est-ce qui est encore en train de se passer? Bah, je vais récupérer ça. Et... voilà. C'est comme ça qu'on fait, c'est rapide, c'est expédié. Oh! Qu'est-ce que tu fais avec ta torche, hein? Tu m'as pris pour qui? Un vampire? Oh, attends. Je vais récupérer la torche. What? Je ne t'avais pas vu venir, toi. Ah, ça serait trop cool que je puisse les enflammer. Quoi? Pourquoi il a pu le faire alors que j'ai fait le QTE? Allez, va voir ailleurs si... Waouh, aïe, 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 qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais... Mais monsieur, mais tu vas pas dans les flammes, c'est pas très intéressant d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai mis trop de temps, il a décollé. Ting. Ah, j'aurais pu le sauver, je pense, et j'ai pas réussi. Ouais. Tiens, on va attendre. Hop. Alors, bah, je suis fait tuer exprès, hein. Parce que je voulais essayer de sauver quand même cette personne. Je pense qu'il y a moyen quand même de le sauver. Il y a peut-être moyen d'éteindre l'étincelle ou je sais pas quoi en l'écrasant. Je sais pas comment ça se passe. Alors oui. Ah oui, oui, mais bien sûr. Il faut éteindre la mèche. Poc. C'est ça, faut l'écraser. C'est exactement comme ça. Ah mais il la rallume. Voilà. Ah, par contre, j'ai l'impression que il a été rallumé la mèche. Non. Non. Tu laisses le monsieur tranquille. En fait, je vais faire ça à chaque fois. Dès qu'il y en aura un qui vient, je récupère la torche du précédent et je tape avec sur le suivant. Ah, torche. Il restera bien une torche pour ce grand gaillard qui est ici. Oui, là, oulala, monsieur, qu'est-ce que t'as essayé de faire là? Nickel! Et ben voilà, j'ai réussi à le sauver ce jeune personnage. Ah, je pense qu'il faut que je tue tout le monde en fait. Alors lui, je dois m'en méfier. Je crois que c'est ceux qui sont capables de se propulser. Allez, on écrase les roubignoles. Ah! Et du coup, je l'ai sauvé, et voilà, c'est ça. Allez, il va partir avec son... Allez, à toute berzingue par son poteau. Et j'ai même pas besoin... Putain, je suis tellement bien débrouillé que j'ai même pas besoin de récupérer le fruit qu'il m'a donné. Et j'ai eu que... Ouais, la roulette couverte. Ah, oui. Alors, la roulette, c'est cool, en fait. C'est pas si chiant que ça, hein, parce que... Je savais pas que c'était au début, mais c'est des techniques, tout simplement. Mais comment on fait pour assigner une... Moi, je comprends pas comment ça fonctionne. C'est que, voilà, quand je prends une... Quand j'essaye de prendre une technique, casse-noix,
Il me propose de la mettre là. Je vois pas du tout ce que je peux faire. Pas de technique à échanger. Et là, par exemple, le coupe herbe, elle est jaune, non, je pourrais. Utilise une sphère. Voilà, non, ça c'est juste que ça utilise des sphères. Le coup du dragon, par exemple, ça serait cool de l'avoir. Il doit être puissant celui-là. Mais je l'ai jamais dans ma roulette. Et je comprends pas pourquoi. Ouais, je vois pas trop. Pas trop pourquoi. C'est pas dans les techniques des fois que. Ouais, non, 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 non. C'est juste faire. Enfin, élaborer son combo aussi. Bah ouais, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, que dois-je faire maintenant? J'ai une porte ici. Cet endroit qui. Est pas en bon état. Tiens, là, il y a une porte avec certainement une serrure, donc ouais. C'est bien, par contre, je. Bah. Ouais, je vais manger l'orange. Et à manger, l'orange, water. Ouais, je crois que l'eau, hein. Et puis, voilà, comme ça, ça m'a fait des sous en plus. Et des sous, c'est bien. Et encore une fois, la musique est pas si mauvaise ici, hein. Enfin, moi, je la trouve bien. Et, oh, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, un défi. Bon, on va le faire. Ouais, on va le faire. Parce que c'est pas mal les défis, ça permet de gagner des techniques et des sous. Non, des sous, je crois. Tue tous les ennemis dans le temps, voilà. On va voir, si elle est trop difficile, je la retenterai pas. Oh, bouf. Ah, oui, mais alors, si le mec s'amuse. À me faire sa technique de lâche, dès le début, avec sa copine. Avec sa copine, la relou au fouet, là. Ouais, non, mais... Va falloir... Veillez à se calmer, là, madame, hein. Hein. Voilà. Elle est calme, maintenant. T'as vu. Alors, bah, maintenant, on sait que... Le poing contre le pied... non. Non, que dis-je. La tête contre le pied, et bah, c'est... C'est... Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, d'accord. Oh, 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 je vais mourir. Et bah, c'est la tête qui gagne. Bah, je vais essayer, tiens. Coupe herbe. Ah, mais si, en fait, j'en ai. Ah, je peux parce que c'est une technique jaune. Et que j'avais qu'un diamant. En fait, j'ai pas besoin de les assigner, les techniques de roulette. Je les ai. À partir du moment où je les gagne, j'ai l'impression que je peux les utiliser, en fait. Ah, putain. Ouais, j'ai pas réussi. Je vais réessayer, quand même, ça a pas l'air si compliqué, mais je me suis pris des coups faciles quand même, notamment le gros là qui m'a... Oh. non, mais faut pas faire ça au fait, monsieur. Je t'interdis de frapper des femmes si elles font moins de 30 cm. Ouais, mais si vous m'attaquez à plusieurs, hein? Moi, si j'étais avec mes potes... Eh ben, ça serait bien plus simple! Ouais, non, mais... Ouais, non, mais elles sont super reloues avec leur fouet. Hein. Allez, on va se faire celle-ci. Puis je crois qu'ici, ils donnent pas de fruits pour te soigner. Comme c'est un défi. Ouais, bon, bah là, je vais mourir. Mais non, mais ça, c'était... C'était couru d'avance. Très bien. Ouais, c'est... Voilà. Cette fois-ci, je vais foncer direct dessus. Oh, parfait. Non, mais je pense qu'il faut que je me débarrasse de ses copines en premier. En priorité. J'en ai une que j'ai mis un petit peu à l'écart, là-bas. Si elle pouvait rester à l'écart, ça m'arrangerait bien. Oh non, il a refait sa technique de lâche. Voilà. Tiens, oui, bim, petit écrasement. Non, non, qu'est-ce qu'il a à faire, là?
Putain, c'est tellement dur. En fait, c'est ça qui est le plus difficile, je crois que c'est de gérer les personnages qui t'attaquent à plusieurs, quoi. Bon, je vais pas insister beaucoup, hein, si je vois que vraiment ça prend tout le temps. C'est pas que c'est extrêmement difficile, hein. C'est que l'exécuter risquerait d'être trop long. Voilà, ça a pas l'air non plus impossible comme truc à faire, mais voilà. Oh là là. Voilà, je crois qu'il y en a une de morte là peut-être. C'est oui, c'est bon. Heureusement, elles sont plutôt fragiles en fait. Bon voilà, lui tout seul ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà, il était énervé, il est tout rouge, regardez. Elle a bu un petit coup de pinard. Oh putain. Oh non, mais ça en plus, on la voit pas venir cette technique, c'est injuste. Voilà, il y a eux qui arrivent. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Mais il me lance des trucs, mais c'est pas vrai, mais... Allez, coupe herbe, on va essayer. Salut, ma petite licorne. Ah, oh, mais en fait, je tue le... Ah, mais attends, c'est une technique qui tue l'ennemi instantanément? Voilà, et c'est la mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'est le meilleur jeu du monde. Allez, allez, j'essaie encore un petit peu. Voilà, voilà. Ça m'énerve. Je peux pas reculer maintenant, quoi. En fait, je trouve ça tellement injuste. Bah, vous savez quoi? Voilà, si je... Ah, la coupe herbe, je le fais contre lui. Alors, regardez, toute la vie... Bim! Oh, mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire, en fait. Elle, je les négocie facile. Ah, par contre, il est pas mort. Ah non, il est pas mort. Ah, il est pas mort, pas mort, pas mort, hein. Wouah! Mais ce qu'il y a, c'est que depuis que j'ai configuré mon nouveau combo là, il fait pas exactement le coup que je veux qu'il fasse. Et on remarque que ça se passe beaucoup mieux quand j'utilise tout de suite mon super coup, quoi. Et j'ai aussi le God N à utiliser, c'est vrai, j'avais oublié. Regardez. Hop. Merde. Allez, le Golden, quand il s'arrête, c'est expéditif, hein, ça le fait tout de suite. Allez, attends, combien de temps il reste? 5 ans. Wouah! Alors là, c'est le moment où il ne faut pas se faire toucher. Allez, hop, expédié dans la stratosphère. J'arrive pas à lui faire un écrasement, lui. Il se relève tout de suite. Oh non, il m'a tué. Salut à toi, GeoGeo. Que ça fait plaisir de toi. Le chat est vraiment calme ce soir. Oui, c'est calme. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire si vous avez aucun souci de pour visionner le live. Normalement, ça devrait aller ce soir. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, donc je me suis peut-être dit que c'était à cause de ça. Donc dites-moi si ça va. Bon, toi, coupe herbe. Ça lui enlève pas toute sa vie, mais presque, hein. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, il faut que j'éloigne un petit peu les deux nanas au fouet là. Oh, c'est bon, je crois qu'il est mort. Il est mort dans un... Mais non, il est pas mort. Mais c'est une... Regardez, il a fait le même cri, quoi. C'est une merde, ce truc. Allez, il est mouru. Qu'est-ce qu'il s'est fait, elle? Non mais vas-y, hein, c'est pas parce que tu te mets par terre comme ça que je vais avoir pitié.
Surtout pas si tu fais ça. Alors, on va essayer de tous les regrouper, les mecs qui viennent là après. En fait, c'est ça. C'est celui en gris, là, qu'il faut que je tue avec mon gun hand. Enfin, que je tue. Non! Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Lui, il est... hyper vif, en fait. Ok, elle, elle est morte. Même pas, mais... mais voulez... mais veux-tu bien mourir, s'il te plaît? Voilà, bon, il m'a tué, moi je vais essayer. Tout est ok pour le live chez moi, merci à toi, ma petite licorne. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être que les gens avaient des choses à faire. Pour un jeu qui est si intéressant, franchement, c'est dommage. Voilà, c'est un jeu où vous voyez des choses qu'on voit pas ailleurs. Nickel aussi chez moi, Manu, merci à toi, mon petit GeoGeo. Puis j'espère que tu vas bien, toi. Comme c'est pas souvent que je te vois, bah, j'en profite. Alors, le coupe... herbe. Ah, elle est trop bien, cette technique. En plus, elle est, j'adore la gueule qu'elle a, quoi. Putain, mais... pff, allez, vas-y, tue-moi. La plupart du temps, si je me fais toucher, c'est parce que je le vois pas faire sa technique, quoi. J'ai pas le temps de l'esquiver. Par contre, s'il y a une autre vague qui vient après et que je perds, je resserrerai plus. Parce que ça risquerait d'être vraiment trop difficile, là, pour le coup. Là, déjà, j'ai trouvé une bonne petite technique. Je trouve que ça va bien. Voilà, petit coupe herbe. Ah là, là, je... mais non, mais non. Mais j'ai pas fait coupe herbe. Eh B, ça va pas aussi bien se passer que ça, hein. Oh, 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 ah, t'as essayé de m'avoir encore, hein. Coup de la feinte, là. Je t'ai vu venir. Ah, il m'a eu, bon. Non, moi, je dis qu'à partir du moment... voilà, c'est bon, il est mort. Bon, j'ai plus beaucoup de vie, mais... c'est possiblement possible de possibler à ce moment-là et de réussir à le tuer. À tuer le... ceux qui arrivent derrière, là. Alors là, moi, il faut que je m'en prenne à... À lui, là. À la cible principale, le mec en gris. Avec un petit... ouais, c'est moulant, ce qu'il a, là, quand même. Magnifique. Regardez, tabassé. Bim! Et j'ai eu la nana au passage. Elle est morte! Elle est morte, elle s'est reçue son pote dans la gueule, quoi. Putain, cette mort de merde. Alors toi, Dalsim... pas Dalsim, non, c'est pas Dalsim. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec qui a des lames dans... je trouve qu'il ressemble dans Soul Calibur. Il y a un mec qui, pareil, il peut se contorsionner dans tous les sens, là. Il a des espèces de lames toutes bizarres. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu à ce personnage. J'ai gagné! Qu'est-ce que j'ai gagné? 7500 gold, ça c'est bien. Ouais, fouet, j'arrive au bon moment, salut à toi, Nighten. Oui, il y a les fouets maintenant. Des jeunes filles court vêtues de fouet. Ça c'est bien. J'espère que ça va bien, Nighten. Bon, alors je suis où? Ah. On va aller voir si. Oh putain, mais. Ah tiens, il y a marqué quoi là sur le mur? Ouais. Ah, où est le God End? Ben moi, si je pouvais lui répondre, je lui dirais... dans ton cul. Eh oui. Allez, on y va comme ça. Oh, mais oui, mais il y a plein de vie, parce que c'est vrai que le défi m'a pris un peu de vie. Mais il y a plein de caisses, je veux dire. Plein de caisses avec possiblement de la vie. Bon, j'ai peu de chance, parce que j'ai eu que des cerises. Hein, le minimum, quand on veut récupérer de la vie, c'est des cerises, mais bon. Wow. Bon, ça va, ils m'ont l'air pas bien robustes, ces jeunes punks. Waouh, oui. Ah là, lui, c'est peut-être sa mort. Nickel, il reste que ce personnage là-bas.
qui frime un tout petit peu trop à mon goût. Ah, et qui m'a tué même. Il a raison de frimer. C'est possiblement possible de possibler. J'ai le droit d'inventer mes mots, je suis dans mes lives. Clash of Manu, pourquoi Clash of Manu? Qui j'ai clashé? J'ai clashé personne, moi. Et regardez, comme j'ai réussi le défi, j'ai pas besoin de le refaire, j'ai quand même... oui, j'ai pas besoin de refaire le défi, heureusement. J'ai quand même tous mes sous. Et le bonus, c'est que j'ai quand même récupéré... ma vie. Voilà, comment dire que... Que l'autre gars en survêt là-haut... il va y passer très vite. Hop. Voilà, et qu'au besoin, s'il m'amoche trop, et ben moi, je peux revenir chercher un petit fruit. Je vais faire une petite salade de fruits là. Hop, hop, hop. Bah voilà, là j'en aurais besoin. Hey! Il y a un truc qui va pas dans ma technique, je pense. C'est que, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer d'échanger ça. Le Soba Express lance mes ennemis au loin. Donc j'ai pas le temps de les toucher avec le point de la justice. Point de la justice qui est trop court. Ce qu'il faudrait... C'est que, à la place du Soba, je vais mettre le point de la justice. Voilà. Ils se sont inversés. On va voir ce que ça fait maintenant. Parce que là, si j'ai pas un combo complet, bah, ça sert à rien, quoi. Nice. Allez. Viens là, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais non, mais eux, ouais, c'est vrai. Il faut attendre qu'ils fassent bien leur attaque. Fais voir ce qu'il donne mon petit combo, voilà. Alors, hop, deux. Ah, il s'est mis en défense. Mais ça a pas l'air de si mal fonctionner, ce nouveau combo. Arrêtez de me mettre en niveau inférieur, quoi. Allez, écrasé. C'est bien. C'est bien, c'est une technique de beau gosse. Ah non, ah ça j'aime pas quand il fait ça. Voilà. Ils sont vraiment très relous ceux-là. J'avais toute ma vie. Et voilà ce qu'il me reste, quoi. Je vais devoir récupérer des fruits, je crois qu'il y en a en bas. Ah, par exemple ici. Ah, je peux pas rentrer par la fenêtre. Très bien. Pas grave. Voilà, I love it. Il n'y a pas une petite cerise là qui traîne par là? Non, il n'y en a pas. Le dans ton cul m'a dit voilà pourquoi. Ah. Oh, mais c'est bon, il m'a donné un fruit. Ouais, je clash les murs, mais attention. Je suis un rebelle. Les murs où il y a marqué Where is Goden? J'ai des bolos. Bon, grue ennemie géante, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah continue. On va peut-être arriver à un boss, là, non? Il y a la petite nana qu'on a vue hier, c'était trop tôt, en fait. Avec les études, c'est difficile de venir tous les soirs. Je sais bien, Géo. Mais ça me fait plaisir de te voir. De me voir jouer à des jeux bizarres, incongrus. Alors ça, je suppose que je peux taper là-dessus. Wouah! Ah ouais, non, mais il faut que je me débarrasse d'elle avant. Ah non, lui, pardon. C'est un monsieur. Allez, 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 écrase, écrase, écrase. Écrase, écrase, il reste encore un petit peu. Ah là, c'est bien. Ah, et on est dans une ville
déjà moins diablé avec une atmosphère plus sympathique. Un joli décor, j'aime bien ici. Ah putain, évidemment, ça faisait longtemps, tiens. Allez, tiens, c'est bien, t'as eu la bonne idée de revenir vers moi quand je me transformais. Et ben maintenant, tu vas manger. Mange, mange. Allez, mange mon pied aussi. L'attaque du pied qui pupue. Hop, hop. Hop, 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 hop. J'aime pas quand il fait ça, hein. Non, 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 annulé. Annulé, je ne veux pas utiliser une technique contre toi. Alors qu'il te reste... un poil de fesses de démon de ville, hein. Non, non, je ne ferai pas ça. Alors, moi, je viens de là-haut. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non, on peut pas, évidemment. Par contre, une petite échelle, là. Je serais curieux de voir où ça mène. On va voir ça tout de suite. Sauter. Ah oui, c'est vrai. Lui, il prend pas les échelles. Lui, il saute. Ah, il y a un tonneau. Ah ouais, tiens. Je pense que si j'avais lancé le tonneau sur un des gars qui était sur un pilier, là, ça aurait fait un truc sympa. Ça fait bizarre, c'est plus la même musique. Oui, ça change quand même. Tous les chapitres, ça change. Le jeu est... Ouh. Victime Borlas. J'ai de la ref, vous avez vu. Bon, bah, j'ai une clé. Ouais, j'ai une clé, la porte est ouverte, c'est très bien. Mais la musique, elle reste bien, moi, je trouve. Elle est énergique et tout. Ah! Ah ben voilà pourquoi ça s'appelait la grue. C'est un boss? C'est un bossou? Comment je vais affronter ce machin-là? Ah ouais, c'est un bossou. Ah, mon... ah ouais, il est bien, mon combo, là. Il m'a touché. Alors que j'aurais pu éviter ça quand même. Et en plus il me donne rien. Quel mufle. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Niveau sup, est-ce qu'il m'a donné quelque chose? Ouh, c'est intéressant. Ah. Le Metal Gear. C'est un Metal Gear. Colonel. It's a Metal Gear. Hop, on va s'occuper du Metal Gear alors. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe. C'est juste une vieille grue avec deux... Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Mais ils viennent à l'infini ou quoi? Mais je peux pas utiliser mon God End là. Ah non, je peux pas. Attends, attends, il faut que je... Ouais, attends, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me tapes? C'est pas gentil. Est-ce que je peux... Ah, le coup herbe. Oh. Ah, cette technique-là est magnifique. Regardez. C'est beau, ça crépite, ça fait des feux d'artifice. Plein ventre. Ah non, faut pas faire ça, c'est vrai. Ah mais non, c'est pas... Faut pas faire ça. Je comprends pas à quoi elle sert, cette technique. C'est une putain de technique de lâche. Ah, j'ai réussi. Ouah, j'ai réussi à le contrer pour une fois. J'ai pas fait exprès, par contre. J'étais en train de labourer la gueule du gars, et forcément, comme c'est la même touche, dès qu'il est venu derrière et que le QTE s'est enclenché, bah... Ça l'a pris comme faisant partie de la touche qu'il me demandait, mais c'était pas du tout le cas. Ouais, j'aime beaucoup mon combo. Ouah, mais le mec il se ramène avec des explosifs. Hé, hey, il se barre. Ah mais genre. Point ivre gagné. Alors le nom des techniques... Bah, j'étais bourré quand j'ai trouvé le nom. Alors je l'ai appelé le point ivre. La technique troll, mais oui. En plus il y a des étoiles.
Alors, tu te dis, waouh, c'est une technique super rare et efficace, mais même pas. Mais oui, je sais pas si t'as vu, mais il y a des étoiles autour. C'est la seule technique où il y a des étoiles comme ça autour. Alors forcément, tu te dis, ouais, elle est mieux, quoi. Eux, ils servent à rien, par contre. Hein. Elle me donne du gold. Ça sert à ça. Bon, que dois-je faire? Voilà. Bon, visiblement, je dois taper ce truc. Ah, je dois peut-être taper les moteurs, là. Ça, là. Ça, là. Non? Ah, je pense pas, en fait. Ah, oh, putain! Ah, carrément! Ah, d'accord. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ah, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Non, on va terminer ce boss où, et puis on va arrêter le live où. Ouais, je parle beaucoup en... Je parle le japonais, Ainu, je japanise. Tout à fait. Alors, en plus, c'est super simple, regardez, il y a de l'ombre. Par contre, je pense que c'est une pince que j'affronte. Ah, voilà, et c'est ça. Il y a la deuxième pince qui est de l'autre côté. Il y en a combien de pinces, en fait? Ah, il y en a... Non. J'ai cru qu'il y en avait une autre qui se planquait là-bas, mais non, je crois qu'il y en a que deux, hein. C'est déjà pas mal. Cherche les barils explosifs. Ah oui, c'est pas bête, mais je sais pas s'il y en a, là. Parce que celui de tout à l'heure, il y en avait un. Donc je me suis servi pour taper... Les gars, là, mais là, il y a que des barils normaux. Ah oui, effectivement, il y a que deux pinces. Bon, bah, on va expédier ça en deux, trois mouvements, deux coups. Allez, ça, c'est bien, un petit bouquin pour aller aux toilettes après. Hop. des bouquins friolants. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, monsieur, Mais descends ta... Voilà. Très bien, nickel. Et ben voilà. Ah, pue le boss. Oh, il était simple, il était très simple. Ah, j'ai eu des escaliers qui vont certainement m'amener à un endroit où je vais choper une clé. Une heure de live, Manu. Eh ouais. Maintenant, c'est une heure. C'est bien une heure comme ça, voilà. Sauf que c'était trop tard de terminer à 23h. Il y a des gens qui se lèvent le matin, alors voilà. Je leur offre un délicieux moment avant de se coucher, comme ça ils rêvent de moi la nuit. Et plus si affinité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a certainement des ennemis à tuer, puisqu'il y a une clé à récupérer avec les clés... Se récupère sur... Oh, un autre bouquin. Wow. Se récupère sur les ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ça se pète, ça? Ah, ça se pète. Mais c'est pas par là qu'il fallait aller, en fait. Non, c'est pas par là. C'est pas du tout par là. Ouais, c'est là, en fait. Ouais, c'est ça. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est quoi cette merde? D'accord, je l'ai senti, hein, je l'ai vu venir la porte-piège. Ça y est. Oh, c'est des petites moustaches, en fait, c'est mignon. Et toi, je suppose que tu es le détenteur de la clé? Comme dans Ghostbusters, c'est toi le roi des clés ou je sais plus quoi, je me souviens plus. J'ai pas mes références, du coup je devrais pas faire de rêve. Oh, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est magnifique, on dirait une valse. Oh! Je lui ai remis la colonne en place, elle était pas bien droite. C'est à cause de sa crête, sa déséquilibre. Eh, mais c'est que tu fais mal, mine de rien, toi. Eh, les torsions du cobra. Voilà, allez, attention. Regardez, les petites étoiles, mais c'est trop classe.
Et puis il fait une tête. Enfin, j'ai l'impression qu'il. Moi j'ai l'impression qu'il kiffe. Hein. Oh, en plein air. Alors lui, alors ça c'était beau. C'est très bien exécuté. Et voilà, évidemment, je m'y attendais. Une petite clé que je vais enfiler dans une petite serrure. Je vais regarder vite fait s'il n'y a pas... Je peux rentrer là-dedans? Non, bah, je crois qu'il n'y a plus de tonneau. De toute façon, c'est pas grave, je récupère de la vie quand je passe au niveau suivant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour nous aider à grimper. Allez, zone suivante, la porte est ouverte. Et si je me trompe pas, il y a une petite sauvegarde. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et bien, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là. Alors, demain, mercredi... Alors je ne peux pas vous dire le maître. Oui, c'est ça. Oui, êtes-vous le maître des clés, c'est ça. Mais je me souviens plus du nom. Elle avait un nom dans Ghostbusters. Ça peut arriver, mais dans l'ensemble, c'est moins long. Moi qui arrivais souvent à 23h, ça va me faire bizarre. Bah, des fois, je termine un peu plus tard. On va dire que voilà, j'essaye de faire une heure. Je faisais, enfin, avec deux heures de jeu par jour. Sauf un jour de la semaine, ça faisait donc 6 sessions, donc 12 heures, et ça faisait beaucoup quand même. Zul, merci Naiten. Ah, c'est parfait, Zul. Vous êtes Zul. Et ça me faisait 12 heures, et c'est vrai que ça faisait un petit peu beaucoup. Là, déjà 6 heures, faut les encaisser, hein, c'est pas mal. Donc, ouais, je me suis dit que c'était une bonne idée. En plus, c'est plus facile à voir comme ça. Je pense que 2 heures de vidéo, d'un coup comme ça, c'est. C'est comment dire, c'est un petit peu, c'est comme un trop gros gâteau. Voilà, c'est bon et tout, on a envie, il est délicieux, mais on peut pas trop ouvrir la bouche pour tout le manger d'un coup. Et donc voilà, je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Et je fais des choses dégueulasses des fois. Alors oui, je disais, demain, je ne sais pas quoi je vais jouer, mais je sais avec quel accessoire je vais jouer. Hein, donc si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, et les casques de réalité virtuelle plus précisément, je vous encourage à venir à demain à 21h, parce qu'on va jouer au PlayStation VR. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de demain, en fait, je vais faire des sessions de jeu sur ceux qui sont disponibles, enfin quelques-uns des jeux qui sont disponibles pour cet accessoire. Donc à sa sortie. Donc on ne verra plus de God End pendant 3-4 jours encore, voilà. Là, on va, c'est un petit événement spécial, c'est important, donc c'est quand même cool d'en parler. Donc voilà, il y aura cette semaine une petite thématique dédiée au PlayStation VR. Et demain, je ne sais pas à quel jeu je vais faire en premier, on verra bien. Ouais, on verra bien. Voilà. Parce que, en fait, je ne sais pas précisément d'ailleurs ce que je vais pouvoir obtenir dès demain. Et ben voilà, ça c'est dit. Du coup, moi je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée. Je vous remercie à tous d'être venus. D'être revenus juste une petite heure. Mais bon, voilà, c'est bien, une heure. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne nuit encore une fois. Des bisous. Et à demain si vous voulez bien. Voilà, je vous conseille de passer demain, ça peut être bien. Voilà.